Convertisseur. Continue d'essai. Les hacheurs. Introduction. Les hacheurs sont des convertisseurs statiques qui permettent d'obtenir une tension continue constante et ce avec un rendement voisin de l'unité. Ils jouent le même rôle que les transformateurs en courant alternatif. Convertisseurs continu d'essai, ils sont principalement utilisés pour la variation de vitesse. Des moteurs à courant continu ainsi que dans les alimentations à découpage à courant continu. Ces convertisseurs permettent le contrôle du transfert d'énergie entre une source et une charge qui est soit de nature capacitive source de tension, soit de nature inductive source de courant. Définition des sources et des récepteurs. Pour déterminer si une source ou un récepteur réel doit être considéré comme étant une source de tension ou une source de courant et évaluer dans quelle mesure son comportement se rapproche de celui d'une source ou d'un récepteur parfait, il faut considérer deux échelles de temps. La première, qui est de l'ordre de la microseconde, correspond à la durée des commutations des semi-conducteurs d'un état à l'autre fermeture ou ouverture. La deuxième, qui est de l'ordre de la centaine de microsecondes, correspond à la durée des cycles d'ouverture-fermeture des semi-conducteurs au sein du variateur. C'est l'échelle des temps correspondant aux commutations qui fixe la nature des sources et des récepteurs. On est en présence d'une source ou d'un récepteur de courant si on ne peut pas interrompre le courant IT qui y circule par une commande à l'ouverture d'un semi-conducteur. Cette interruption provoquerait des pics importants dans l'onde de la tension UT. Ces pics L, dit TDT, apparaissent dès que la source ou le récepteur ont une inductance interne L non négligeable, compte tenu de la rapidité de la variation du courant dit TDT. N'oubliez pas de laisser vos questions ou vos remarques dans les commentaires. Pour plus d'informations, visitez notre chaîne spécialisée dans l'électricité. Abonnez à la chaîne. Othmane Gabardi.